Bonsoir, mon amour. Bonsoir. Tiens, tu fais de la mousse au chocolat? Je croyais que t'aimais pas ça. Non, mais ça me détend. Puis les enfants adorent ça. T'étais où? Je suis passé chez Laure. Elle était seule avec ses petits frères. Tu sais, j'ai l'impression que quelque chose ne tourne pas rond chez elle. Eh ben, dès demain, j'appellerai l'assistante sociale pour tirer ça au clair. Ah non, surtout pas. Non, l'assistante sociale, c'est comme si t'envoyais les flics. Ça va les effrayer, les enfants. Mais Fred, il est hors de question que je la prévienne pas. J'ai des responsabilités, je suis obligée de le faire. Ah non, faut rien lui dire. Bon, tu vas les écraser comme ça. Écoute, n'exagère pas, les assistantes sociales sont pas des monstres avec les enfants. Mais je te parle des blancs en neige, là. Non, non, mais attends, il faut les soulever délicatement, sinon tu vas les écraser. Hé, hey, attends, c'est ma mousse au chocolat pour me détendre. Fait qu'à t'en faire une, toi. Bon, très bonne idée. Je vais m'occuper là, et on oublie l'assistante sociale. Mais qu'est-ce que vous faites? La mousse au chocolat. Bon, bah moi, je vais courir, hein. À cette heure-ci? Tu prépares les Jeux Olympiques ou quoi? Bah non, mais j'ai pas le temps dans la journée. Mais attends, t'as besoin de te maquiller comme ça pour aller courir? Écoute, on se maquille pas que pour sortir en boîte. Oh, moi, je vais courir avec toi, moi. Ça va me faire du bien. Bah, et ta mousse au chocolat? Tu peux pas la laisser comme ça, hein. Rien de tel qu'un bon jogging avec ma fille adorée. Ça te gêne pas, j'espère? Ben, c'est-à-dire que je sais pas si tu vas arriver à me suivre. Allez, courage. Je me sens en pleine forme. Je sens que j'ai avalé des kilomètres, pas toi? Je suis un peu crevée, en fait. J'ai eu pas mal de cours aujourd'hui. Tant mieux, rien de tel qu'un peu de sport pour se vider la tête. Aïe, hop, 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 chien, c'est pas le côté là. Ah, je peux plus. Faut qu'on arrête. Ah, j'en peux plus, faut qu'on retourne à la maison. Non, non, il faut pas s'arrêter, hein. Si tu veux que ça passe, faut continuer. Non, mais là, j'en peux vraiment plus. Je commence à avoir très mal. Tu sais que t'es surentraîné, toi, hein, je te le dis tout de suite. Hein. Ça te réussit pas, vas-y, mollo. Je laisserai le vent baigner ma tête nue. Je ne parlerai pas. Je ne penserai rien. Vous n'allez pas passer la soirée à me réciter la Pléiade? N'oubliez pas que j'ai autre chose à faire. Mais l'amour infini me montera dans l'âme. Mais d'abord, comment vous avez eu mon adresse? Ah, je vous ai suivi. Je vous aime, Isabelle. C'était pour vous tous les poèmes sur les murs. Mais vous délirez complètement. À quoi est-ce que vous jouez? Oh, je suis fou amoureux. Vous êtes la femme de ma vie, Isabelle. Madame le proviseur. Maintenant, vous me donnez votre téléphone et j'appelle vos parents. C'est une très bonne idée. Ils seront ravis de faire connaissance avec leur future belle-fille. Je leur avais pas encore non, parlé. Non, mais bon, ça suffit. Maintenant, je ne veux plus vous voir. Vous sortez. Bah, qu'est-ce que vous faites là, vous? Bon, moi, je vais me coucher. Écoute, tu ramènes des dossiers à la maison. On passe encore, mais des élèves, là, tu pousses un peu, non? Excusez-moi, Blanchot, mais alors ce soir, j'ai un besoin urgent d'oublier le collège et ses problèmes. Je vous laisse. Ça vaut mieux. Pour nous deux. J'ai une heure de retard, mais j'arrive. Tu m'attends, hein? Maintenant, tu vas m'expliquer ce que Blanchot fabriquait chez nous. C'est le nouvel amoureux de maman. Et elle se fait draguer par les élèves. Bon, allez, ça suffit. Vous deux, vous filez au lit, maintenant. Oh. Et Blanchot amoureux de toi, ça m'étonne pas du tout. Tu es tellement séduisante.